الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاؤهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. Tu dis que tu vas faire quoi à Ismaël quand même? Tu vas lui dire quoi de la Bible qu'il n'a jamais entendu? Ismaël Aka, il commence à me craindre. On n'est pas arrivé le vendredi. Comment tu t'appelles? Pasteur quoi? On doit t'appeler comment? Pasteur quoi? Mais Ismaël Aka, il coupe le téléphone comme ça vraiment même toi-même. C'est connexion, c'est pas Ismaël Aka. Donc, faut répéter ton défi. Il y a une mission parlait, Ismaël Aka t'écoute. Il dit qu'il n'a pas bien entendu ce que tu as dit. J'ai dit ceci. Oui. J'ai dit ceci. Ce n'est pas la connaissance qui dépasse toutes les personnes. Mais, je vais parler à Ismaël Aka des choses qu'il n'a jamais entendues depuis qu'il est sur la terre. Dans la Bible ou bien dans le Coran ou bien dans le thème. Je dis derrière, oui, c'est dans le thème. C'est dans le thème. Et puis, une chose que je peux vous dire, je peux parler. Allons-y, on vous écoute. Tout le monde vous écoute. Tous les musulmans vous écoutent. Voilà. Une chose que je peux parler. Dans notre partage, vous n'avez pas droit de me dire que non, lis la Bible dans tel verset. Si vous connaissez le verset, vous-même dans la Bible, lis. Comme moi j'ai le Coran, si je comprends les sourates dans le Coran, je vais lire moi-même. Je veux qu'on se respecte dans ce niveau-là. Moi j'ai 55 ans d'âge. Je suis votre père, moi. C'est-à-dire... Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Cours biblique et coranique, édition spéciale. Aujourd'hui, c'est le grand rendez-vous, c'est le grand jour tant attendu. Voilà le visage de celui qui se cachait derrière le défi lancé à Ismaël Aka de la DDR. Mon bien-aimé, son nom va s'afficher tout à l'heure. Je vais faire disparaître... le titre et son nom va apparaître. Voilà. Voilà son nom. Il s'appelle Jean-Kinto Kiambi. Donc, quand il va prendre la parole, il va se présenter tout à l'heure. Bienvenue à l'émission Cours biblique et coranique. Mais avant de commencer tout propos, nous disons louange à Allah qui est le Seigneur de l'univers.
Allah qui nous a permis d'être ici encore une fois aujourd'hui, après notre mort, et il nous a ressuscité, nous donner la vie. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, la paix et la miséricorde d'Allah soit sur le prophète sallam. Vous êtes en direct, ce n'est pas une rediffusion, vous êtes en direct. Nous sommes aujourd'hui le 4 juillet, l'an 2021. Nous sommes en Côte d'Ivoire, c'est à Yopougon précisément, hein. La commune c'est Yopougon. Voilà, et nous sommes en direct sur la page de Oustaziané officiel que je suis, retransmis, sinon partagé sur la page de Ismaël Aka officiel, également sur l'islam de la Bible, la vraie page. Ce sont nos trois pages de Facebook. Nous avons également notre page YouTube. Nous avons changé le nom de notre page YouTube parce que beaucoup de personnes, voilà, aiment tellement la DDR. Donc, il y a pleine confusion. On ne sait pas quelle est la vraie page de la DDR, hein, quelle est l'autre page de la DDR, etc. Mais, Inch'Allah, avant la fin de cette émission, je vous donnerai le nom de la nouvelle page. Voilà, donc, la DDR, la vraie page YouTube. C'est le nom, ça. La DDR, DDR, la vraie page YouTube. Donc, il y a des tonnes et des tonnes de pages DDR, sinon, compte YouTube DDR. Mais c'est un honneur pour nous. On dit merci que l'islam puisse être propagé un peu partout. Donc, on va revenir sur beaucoup d'informations lors du débat, lorsque nous serons bien lancés. Je profite pour saluer la délégation du Burkina Faso qui était en réunion aujourd'hui pour la préparation de l'arrivée de la DDR. Vous allez voir à l'écran tout à l'heure le Boeing, hein, le Boeing qui est au Burkina Faso, Tico et toute sa délégation, et notre papa Moïse, voilà l'ex-pasteur qui sera notre invité bientôt, Inch'Allah, dans le cours biblique et coranique avant notre départ à, n'est-ce pas, au Burkina Faso. Donc, Inch'Allah, la date est presque programmée. C'est après la Tabaski qu'on ira au Burkina Faso. Voici l'image qui va apparaître tout à l'heure. Voilà la délégation. OK, problème technique à ce niveau. Mais je vais revenir sur cette information, Inch'Allah, avant la fin de l'émission, Inch'Allah. D'accord. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. OK. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je repars encore pour la mélodie sur l'hymne national de la DDR. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه Voilà, je vous disais que je vais vous présenter la délégation de Burkina Faso. Je vais essayer si ça passe. Voilà, j'essaye. Bon, ça ne passe pas d'abord, mais Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Je fais revenir. On revient en studio, on revient en studio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à l'émission, on va partir maintenant. Bonsoir mon frère Jean-Cy Kindomba, je vous donne la parole pour 5 minutes d'introduction. Je mets le chrono en marche. Vous avez 5 minutes d'introduction et ensuite Ismaël va prendre la parole pour 5 minutes d'introduction. Je rappelle que le débat, le thème de ce soir, c'est vrai, je n'ai pas affiché le thème à l'écran, mais le thème de ce soir, c'est entre l'islam et le christianisme, quelle est cette voie-là que nous devons suivre? Quelle est cette religion que nous, les êtres humains, musulmans, chrétiens, bouddhistes, athées, quelle est cette religion que nous devons suivre? Le frère Jean-Cy Kidomba, qui est le frère de Jésus-Christ, si vous ne le savez pas, il est là ce soir pour défendre que nous, musulmans, nous devons plutôt plier nos nattes de prière, nos tapis de prière pour nous diriger à l'église.
Ismaël Aka, qui est fils de pasteur, va dire non, 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 non. Si tel est le cas, c'est que lui s'est trompé en devenant musulman. Lui aussi, il va nous montrer que vous devez quitter l'église de façon fraternelle, bien sûr, sans obligation, pour venir à la mosquée pour que nous puissions nous prosterner devant le Créateur des cieux et de la terre pour l'adorer. Jean-Cyr Kindomba, vous avez 5 minutes. Merci mon frère. Je préfère dans mes premiers 5 minutes de prier le Seigneur Jésus-Christ. Mon grand frère que j'aime beaucoup, il est chaque fois avec moi. Mais en me présentant, je m'appelle Jean-Cyr Kindomba, le frère de Jésus-Christ. À l'islam, on m'appelait Yansin. C'est-à-dire que je suis le président visionnaire de ACPPM. ACPPM, c'est-à-dire Action Christ est prêché partout dans le monde. Donc, j'ai consacré ma vie à Jésus suite à l'islam où j'étais. Le Seigneur Jésus-Christ m'a fait grâce parce que je ne suis pas là pour juger. Voilà pourquoi même ce soir, je ne viens pas pour juger. Mais je viens tant que chrétien d'éclaircir quelques versets. Comment le frère Ismaël Aka fait des injures à la personne du Seigneur Jésus-Christ, blasphème au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai beaucoup suivi cela. Mais une chose que je demande, je sais que les musulmans, ce sont des hommes, ils ont étudié. Les musulmans sont des hommes très intelligents. Ce soir, parce que je vous préviens déjà qu'avec Ismaël Aka, je serai avec lui pendant 3 mois de parler sur Jésus-Christ. Et après 3 mois avec Ismaël Aka, je vais lui montrer les 51 sourates dans le Coran, les 51 sourates sataniques dans le Coran. Donc, je suis très sérieux, même je ne suis pas là pour juger. Celui qui a son chemin, il a son chemin. Et comme nous sommes des frères, on est là seulement pour éclaircir. Voilà pourquoi moi, votre frère, Jean-Cyr Kindomba, le frère de Jésus-Christ, j'habite ici au Canada. Je suis dans ma maison. D'abord, comme je suis là, je prépare, j'ai tout arrêté parce que c'était prévu de rencontrer mes frères musulmans avec mon enfant Ismaël Aka, le frère Oustaz, pour parler. Comme disent les cours coraniques et bibliques. Donc, je vous salue Ismaël, je vous salue Oustaz, je salue tous les musulmans qui nous suivent. Soyez vraiment attentifs de tout ce que nous allons parler. Parce qu'aujourd'hui, malgré qu'on va faire 2 heures du temps, mais c'est l'introduction. Je dis déjà à Ismaël Aka, quels que soient nos 2 heures du temps qu'on va faire, nous ne serons pas pressés. Moi, je te dis. Je préfère de ne pas travailler chaque dimanche pour être avec toi. Je ferai ce débat 3 mois avec toi, de parler de Jésus, afin que les musulmans, afin que les chrétiens, nous tous, nous soyons éclairés. Donc, voilà ce que j'allais dire. Que Jésus-Christ me bénisse à moi, parce qu'il n'est pas votre Seigneur, mais pour vous, que Allah vous bénisse, parce qu'il y a des dieux. Il y a des dieux. Jésus-Christ que nous croyons Dieu, et Allah, que vous croyez Dieu. Donc, il faut que le monde sache que moi, chrétien, j'ai un chemin. Jésus-Christ m'a promis le paradis, et les musulmans, Mahomet les a promis le paradis. Si nous avons un Dieu, où est le vrai paradis qui amène à Dieu? Car Jésus a dit, sans moi, on ne peut pas voir le Père. Mais le Mahomet dit, en croyant au message du Coran, on va au paradis. Donc là, sans Jésus, donc il faut que les chrétiens qui me suivent en ce moment sachent que moi, avec les musulmans, nous n'avons pas un seul Dieu, nous n'avons pas un seul paradis, nous n'avons pas un seul message. Donc c'est ça mon introduction. Que Dieu soit avec nous pour notre débat. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous avons tous entendu le frère Jean-Cyr Kindomba. Il a planté le décor déjà. Il lui restait au moins 30 secondes. Je vais prendre les 30 secondes là pour m'adresser à toute la population de Burkina Faso. L'ADD au grand complet.
arrive au Burkina Faso, Inch'Allah, après la Tabaski. Et nous allons venir ici, c'est beaucoup d'informations, sans oublier que ce vendredi-là, le vendredi 9 prochain, nous partons pour Djekano à partir de 8 heures. Nous allons faire, Inch'Allah, une conférence à la grande mosquée, c'est-à-dire le précédemment à la grande mosquée de Djekano. Et puis encore, en face de la mosquée, il y a un terrain qui est là, le terrain qui est en face du foyer de Djekano. C'est là que la conférence va se passer le vendredi et le samedi 10. Nous revenons à Abidjan le 11 juillet pour continuer la dawa. Et je vais revenir sur beaucoup d'informations telles que le Burkina, le Mali et la Guinée. Ismaël Aka, vous avez 5 minutes d'introduction. Top chrono. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahir rahmanir rahim. La ula ilaha illahu al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهود حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم الحمد لله نرمسيون الله سبحانه وتعالى maître de l'univers maître incontesté et incontestable de la créature et du créateur maître incontesté et incontestable de toute créature visible et invisible. C'est lui-là même qui a créé les cieux et la terre sans plier visible et qui a donné pour toi le ciel et il a donné pour lui la terre, comme il le dit dans le Saint-Coran. Que la paix et la miséricorde d'Allah, la bénédiction d'Allah soit sur le Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons ainsi que sur tout musulman, ainsi que sur toute personne qui dira la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jusqu'à ce que le jour du jugement fasse. Le jour du jugement s'affiche, Inch'Allah, et que la paix soit sur tous les musulmans du monde, que la paix d'Allah soit sur tous les musulmans qui nous suivent actuellement. Qu'Allah nous donne la victoire et qu'Allah fasse triompher sa vérité en dépit de l'aversion des associateurs. Comme Allah l'a dit dans le Coran, « Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, luhidhirahu wa nadin quli, wa law kara mushrikun. » Allah dit, dans le Coran, c'est lui qui a envoyé le prophète Mohammed avec la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion en dépit de la version des associateurs. Allah nous a rassurés dans le Coran avec plusieurs versets pour nous dire « Innadina innallah al-islam ». Allah nous dit que c'est l'islam qui est la vérité. Allah nous dit dans la sourate 3, verset 85 que quiconque désire une autre religion autre que l'islam ne sera point agréé et cette personne-là sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et c'est dans ce souci-là que Allah il nous dit aussi dans la sourate 16, verset 125, à nous, étant musulmans, il nous dit d'aller par la sagesse et la bonne négociation, d'appeler les gens au sentier d'Allah et de discuter avec eux de la meilleure des façons. Alhamdulillah, aujourd'hui, je suis en face d'un ami qui a vraiment fait parler beaucoup de lui sur les réseaux, qui ne cesse encore de faire parler de lui. Et qui, aujourd'hui, en face de moi et en face de la DDR, ce n'est pas. Ismaël Aka, personnellement, qui va essayer de demander, mais c'est plutôt l'islam. Moi, Ismaël Aka, je peux ne pas avoir des réponses à certaines questions. Je peux être faible parce que je suis une créature d'Allah. Mais l'islam reste vérité, l'islam reste l'unique vérité à suivre. Je peux ne pas avoir des arguments, je peux faillir à ma mission, mais l'islam reste authentique. Et... Alhamdulillah. Donc, désolé un peu, c'est les aléas du direct. Donc, alhamdoulilah, je suis prêt à tous les défis que le pasteur a lancés. C'est mon aîné, c'est mon père, on va dire, c'est un père pour moi. Donc, aujourd'hui, il a dit que je vais entendre des choses que je n'ai jamais entendues. Et je crois qu'on va rester simplement dans le débat. On va mettre le jugement de valeur de côté et on va faire place à la vérité. Et une chose est sûre, c'est que l'islam... Avec l'islam, c'est la tranquillité, c'est la patience, c'est le courage et c'est la sérénité, quoi. Il n'y a pas plus serein que nous à la DDR parce que nous savons et nous avons vu de nos yeux, nous avons senti de notre cœur et nous avons ressenti au plus profond de nous les vérités d'Allah et rien ne peut nous ébranler. Donc,
J'espère que le pasteur pourra relever tous les défis que lui-même a lancés. En restant uniquement dans les thèmes de savoir qui du christianisme et de l'islam est la voie qui mène au paradis. Je crois que les internautes qui nous suivent sont déjà situés, mais par souci d'argumentation et par souci aussi de renforcer encore les foi, on va encore une fois de plus utiliser notre Père ici présent comme un appât pour pouvoir montrer et pouvoir démontrer la vérité de l'islam, démontrer que l'islam est l'unique vérité, est l'unique religion prêchée par tout l'ensemble des messagers et que l'islam est la seule religion que tout être humain doit suivre, tout être humain désirant avoir le paradis doit suivre. Et en dehors de l'islam, il n'y a aucune autre religion qui puisse donner le salut, qui puisse guider un être humain. Parce que l'islam, c'est la religion donnée par Allah. Voilà un peu sur quoi j'aimerais finir. Et nous faisons place au débat, la force des arguments, et tout va se savoir, Inch'Allah. Merci beaucoup, Ismaël Aka. 5 minutes, pile. Je rappelle que nous sommes en direct sur la page Oustaz El Officiel, retransmis également sur la page Ismaël Aka Officiel. L'islam dans la Bible, la vraie page, vous êtes en direct. Et puis, partagez le direct dans le monde, parce que ça va faire gagner des vies. Nous serons, Inch'Allah, au Burkina Faso après la Tabaski, mais tout au long de l'émission, on va revenir sur tout ça. On va maintenant, je rappelle que nous aurons un invité spécial, Inch'Allah, la semaine prochaine, en tout cas, on va coordonner. C'est notre papa qui est au Burkina Faso, c'est un ex-pasteur, Moussa. Il est devenu musulman depuis, je crois, 2013. Voilà, il aura l'occasion de présenter pourquoi il est devenu musulman. Il est aujourd'hui ex-pasteur. Je vais vous passer une petite séquence de sa vidéo pour vous montrer de qui il s'agit. Dès qu'on revient après ça, on continue le débat, Inch'Allah. Mais je veux que vous reteniez le Moussa parce que je suis converti en l'islam maintenant. Donc, j'étais pasteur, enseignant et je me suis converti le 12 avril 2013 et je réside à Ouaga. Ok, donc nous venons de recevoir le frère qui s'appelle Moussa Moïse, mais il a dit qu'en tout cas son nom maintenant c'est Moussa et il s'est converti en 2013. Donc nous voulons qu'il nous détaille un peu quelle était la cause de sa conversion. Ok, quelle était la cause de sa conversion? C'était lorsque l'émission va venir, c'est là qu'on va partir. Jassim Kidomba, et c'est parti. Allons pour l'enseignement. Vous avez 10 minutes, top chrono, c'est parti. Prenez notre cours biblique et coranique, c'est maintenant que ça commence. Vous avez la parole, je ferme mon micro. Je loue le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu éternel. Je loue notre Père qui est dans les cieux. Je suis très content. C'est la première fois que j'entends Ismaël Aka parler devant une personne avec beaucoup de respect. C'est la première fois, j'ai dit, et je suis vraiment flatté. Il reconnaît quand même qu'en âge, je suis son père. Vraiment, je suis flatté de cela. Moi, je croyais parfois que mon fils Ismaël, il pouvait être comme il parle à qui que ce soit. Bon, merci Ismaël, merci. Moi, étant aussi aîné de toi, j'avais dit que je ne suis pas venu pour juger. Le christianisme ne gagne pas comme je vis dans des Facebook. Islam a gagné, non. Le christianisme ne gagne pas. Mais nous sommes là pour prêcher Jésus. Mais une seule chose pour commencer. Vous savez, quand je vous reçois, je désobéis à mon Dieu. Il ne fallait pas que j'accepte ce débat. C'est la première chose que Ismaël n'a jamais entendu que je vais parler maintenant. Il ne fallait pas que j'accepte ce débat. J'ai péché contre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que je serai la première personne qui est le frère de Jésus-Christ de dire cela aux oreilles d'Ismaël. La Bible dit dans le livre de 2 Jean chapitre, il n'y a pas de chapitre 9 et à 11. Pourquoi je dis que j'ai péché à participer à ces débats? Même aujourd'hui, je n'arrive pas à le faire parce que je ne peux pas désobéir à Dieu pour faire plaire aux musulmans. Le musulman que nous prenions comme les antichrists, je vais le prouver dans la Bible. Les antichrists, pourquoi? La Bible dit, toute personne qui ne confesse pas Jésus comme le Christ, comme le Sauveur, il est un antichrist. Alors la Bible m'interdit. Quand il m'a donné la voix, là, je préparais. C'était hier la nuit.
que l'Esprit de Jésus-Christ m'a dit. J'assis, lis dans Jean chapitre. Il n'y a pas de chapitre 9, 10. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Gloire à Dieu. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc moi déjà en recevant Ismaël Aka, qui n'apporte pas, qui n'est pas dans la doctrine du Christ, je pêche contre mon Dieu. Donc je pouvais déjà interrompre le débat. Je pouvais déjà interrompre parce que je ne peux pas désobéir à mon Dieu pour faire plaire aux musulmans. C'est ça, c'est que les musulmans ne savent pas. Parce que si Ismaël Aka était un enfant du pasteur né dans la maison de son père, parce que d'ici peu là, dans 2 mois, dans 2 ou 4 mois, je viens avec 4 blancs et 6 noirs en Côte d'Ivoire. Premièrement, je viens suspendre 2 personnes, le père d'Ismaël Aka et le pasteur Camille Makosso. Ces 2 frères-là ne peuvent plus parler de Jésus-Christ. J'arrive là. Donc, Ismaël Aka dit à ton père, il y a un frère de Jésus-Christ qui vient du Canada, il vient de suspendre, même dans leur communauté, avec Camille Makosso. J'ai suivi Camille Makosso, il a dit, j'apprécie Ismaël Aka, je l'ai suivi pendant 1 année, il connaît bien la Bible. Mais aujourd'hui, je vais demander à Ismaël Aka qu'il nous explique, nous chrétiens, nous sommes 148 000 chrétiens qui vous suivent. Pourquoi Dieu a haï Esaü dans le ventre de Rebecca? Il a aimé Jacob. Il faut que tu nous expliques parce que toi, tu connais bien la Bible. Là, on va venir après. Donc, comme je suis là, la Bible dit, je vous ai reçu dans ma maison. Donc, comme je vous ai reçu, j'ai dit même salut. J'ai participé à vos mauvaises œuvres. Parce qu'au moment où on va commencer le débat, et clore le débat, Ismaël Aka n'acceptera jamais que Jésus-Christ est Dieu. La Bible vous appelle, à vous qui ne croyez pas, les antichrists. Comme vous ne restez pas dans cette doctrine que moi je prends, c'est la Bible qui est la parole de Dieu, je n'obéis pas à mon Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Obéir à Dieu ou continuer le débat avec Ismaël Aka? J'ai accepté. Hier, j'ai dit à l'Esprit du Seigneur, Seigneur, j'ai accepté. Mais aujourd'hui, je veux parler aux musulmans. Il faut que les musulmans sachent. C'est ça ce que j'avais dans mon introduction. Nous n'avons pas un seul Dieu. Nous n'avons pas un seul paradis. Jésus-Christ n'était pas musulman. S'il était musulman, les apôtres allaient être des musulmans. Alors, ce que nos frères musulmans disent, et puis de ma part dans mes 10 minutes, ce que je regrette, Ismaël Aka, avec Oustaz et Diané, on dirait vous êtes venus faire détruire l'islam de sa vision. La religion, parce que je vous ai dit que c'est l'introduction aujourd'hui, la religion ne se montre pas par des débats depuis que Dieu a créé le monde. Il n'y a aucune religion qui est venue par les débats. Même au temps d'Élie, les prophètes de Baal, ils parlaient de Baal. Si Élie a dit que nous mettons une vache coupée en deux pour montrer qui est Dieu, parce qu'ils disaient qu'ils ont un vrai Dieu et ils ont tué les prophètes de Dieu. Voilà pourquoi Élie a dit non, comme je suis resté seul, pour qu'on sache qu'il y a un Dieu. Il faut normalement qu'on mette une vache, qu'on prie, vous priez, que Baal fait descendre le feu, et moi aussi je vais prier afin que le Dieu qui descendra le feu, c'est lui-là le vrai Dieu. Alors mon Dieu à moi, c'est le Dieu d'Élie, c'est le Dieu d'Élisée, c'est le Dieu de Moïse, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est lui, le Dieu qui a pris Abraham à Aram comme un arabe.
Dieu a fait d'Abraham un peuple juif que les musulmans ne croient pas, même au peuple de Dieu. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi au juste notre débat? Aujourd'hui, comme déshéritant Ismaël, on est toujours dans l'introduction. Parce qu'il faut que les chrétiens comprennent, les musulmans comprennent. Dans une maison, on les construit avec une fondation. On va entrer dans les versets bibliques après. Je t'ai dit 3 mois avec toi. Je suis avec toi en face. Je suis très content parce que tu as dit que non. Il faut les frères cela. Oui, il va intervenir par des questions. Nous sommes là pour répondre. Moi, je ne suis pas venu pour gagner. Si toi, tu es venu pour gagner, depuis que Dieu a créé le monde, c'est la première fois qu'il y a eu deux frères qui sont venus dans une religion que vous croyez être une bonne religion, qui vient pour faire minimiser ceux qui sont venus avant et pour se montrer qu'ils sont dans la vérité. Aujourd'hui, Abdoumadjine, comme il est votre frère dans l'islam, c'est lui que vous prétendez être votre père. Et si aujourd'hui même Ismaël a dit que non, je suis très intelligent que Abdoumadjine, nous allons dire que mais c'était petit, c'est un sorcier. Abdoumadjine, il a formé, il a fait quoi? L'islam est venu 6 siècles après. 6 siècles après, où le prophète Mahomet marchait avec le Coran et l'épée. Si vous ne croyez pas au message coranique, on vous tue. Et aujourd'hui, cette religion nous dit que c'est une religion de Dieu qui est venue par imposition. Je quitte. Ce que je pouvais dire, c'est quoi? Je viens de lire la parole. Il faut que je respecte la parole qui est la Bible. C'est lui qui vient à vous et n'apporte pas cette doctrine. Ne les recevez pas dans votre maison. Je ne comprends pas, maintenant je suis dans le trouble, que je respecte les musulmans qui ne viennent pas dans cette doctrine, que je respecte les antichristes que vous êtes, que je respecte ceux qui disent n'importe quoi pour Jésus le Christ. Vous avez le savoir sur Jésus, mais vous n'avez pas la connaissance sur Christ. Voilà pourquoi je vous ai suivi. Et moi, tant que celui à qui je suis ma constitution, je lis la Bible en disant, c'est lui qui vient à vous. Ne dis pas salut à Ismaël Aka. Ne le recevez pas dans votre Merci maison. Beaucoup. Merci beaucoup. Le temps est terminé. Je termine, attends. 10 minutes après. Au Yako du temps. Bon, non, voilà. 10 minutes. Donc, ok. Donc, Ismaël, je suis d'abord dans mon introduction. La Bible m'a dit que je ne te reçois pas, que je ne parle pas avec toi, parce que tu n'es pas dans cette doctrine. Quand Merci. Je parle avec toi, je pêche. Vous c'est ça la chose que tu ne connaissais pas. Si tu étais l'enfant du pasteur, tu allais connaître toutes ces choses que un enfant de Dieu ne peut pas Merci faire beaucoup. Un débat ce qui concerne les choses de Dieu. Je m'arrête Merci là. Jean-Si Kindomba a déjà lancé les hostilités. Nous sommes à 5201 personnes connectées. Le mercure est monté ce soir. Nous sommes le 4 juillet, l'an 2021, en direct de la Côte d'Ivoire et du Canada. Ismaël Aka, vous avez encore 10 minutes et c'est parti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Vous entendez? Il dit écho. J'ai coupé le son. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, nous rendons gloire à Allah, maître de l'univers incontesté et incontestable. Et que la paix et la bénédiction soient sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur tous les messagers. Je suis très ravi de faire partie d'échanger avec le père Jean-Si Kindomba, qui déjà dire que c'est sa première fois de m'entendre parler comme ça. En fait, l'islam, c'est une éducation. Ce que vous devez savoir, la première chose de l'islam, c'est qu'elle éduque des humains. Elle fait passer l'homme de l'état A à l'état B et souvent même de l'état A à l'état Z. Voilà, c'est une éducation. Et quand tu es dans une religion qui t'éduque, tu es amené à faire face à plusieurs situations. Et sachez que moi, Ismaël Aka, je réagis en fonction de celui que j'ai en face. Je suis comme quelqu'un qui, je m'apparente à mon co-débatteur. C'est-à-dire que si mon co-débatteur est quelqu'un de, je trouve que c'est quelqu'un qui mérite. Excusez-moi, je respecte tous les débatteurs. Tous les débatteurs sont respectés. Sauf que souvent, dans le débat, il arrive des moments où il faut taper dur pour qu'ils arrivent à comprendre.
Voilà, sinon, ce n'est pas un manque de respect, parce que déjà, même le fait d'échanger, de débattre, c'est déjà la meilleure des choses que Dieu aime parler. Parce que vous avez dit, vous aimez souvent citer les versets. Au commencement était la parole. Voilà, si au commencement était la parole, c'est que la fin aussi doit être la parole. Donc, toujours est-ce que la DDR commence par la parole et finit toujours par la parole. Donc, le respect veut aussi qu'on échange, même si on n'est pas d'accord, et avec la sagesse et la bonne exhortation. Vous avez dit votre âge, et je sais que vous êtes un père pour moi. Donc, pour moi, c'est une nécessité, c'est une obligation que l'islam me donne de vous parler avec respect. Mais l'islam ne me prive pas de vous dire la vérité. Ne comprenez pas respect et dire la vérité. Ici, Ismaël Aka a tendance à dire beaucoup de fois, a tendance à dire beaucoup de vérité avec une certaine durcité pour que ça puisse rentrer mal. Parce que nous, les Africains, souvent, faut taper dur. Bon, pour revenir au débat, vous avez dit que vous avez péché. Parce que la Bible vous dit de ne pas me recevoir parce que je suis un antichrist. Bon, déjà, je crois que le débat, il est déjà biaisé. Si pour vous, c'est déjà un péché que vous commettez, nous, on ne va pas vous conduire à commettre encore plus de péchés. Parce qu'Allah nous demande de faire sortir des gens des péchés à la lumière. Donc, si déjà que vous péchez en échangeant avec moi, vous voyez que ça devient problématique. Mais regardez pourquoi l'islam est doux. L'islam, par contre, ne réagit pas comme vous. L'islam ne dit pas, quiconque insulte Allah ou bien quiconque ne croit pas en Allah, il faut le rejeter. Non, 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 non. L'islam dit, Allah dit dans le Coran, que par la sagesse et les bonnes exhortations, appelez les gens au sanctuaire de votre Seigneur. Les gens, peu importe qu'ils soient anti-islamiques, qu'ils soient islamophobes, qu'ils soient ennemis de l'islam, mais l'islam nous demande d'appeler ces personnes-là, de discuter avec eux, de leur dire salam. Allah dit dans le Coran que quand vous voyez des gens, dites-leur, adressez-leur le salam. Salam wa alaikum. Que la paix d'Allah soit sur vous. Parce que Allah dit, vous étiez comme ça avant, et c'est moi, Allah, qui vous ai guidé. Monsieur Jean-Cy Kidomba, vous n'êtes pas né chrétien, c'est Dieu qui vous a choisi. Si vous trouvez que vous avez aujourd'hui vous êtes dans la guidance, c'est parce que Dieu vous a choisi. Maintenant, rappelez-vous à l'état où vous n'étiez pas sauvé pour vous. À l'état où vous n'étiez pas chrétien, vous étiez, par exemple, pour vous, quelqu'un qui n'était pas sauvé. Donc, est-ce que pour autant, on devait vous rejeter, on ne devait pas parler avec vous sous prétexte que vous êtes un antichrist? Non. Et puis, on va voir si Ismaël Aka est un antichrist ou bien si c'est Jean-Cy Kidomba qui n'a rien compris de l'enseignement du Christ. On va voir. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 1 à 12, que quiconque confesse, quiconque dit que Jésus est le Messie, celui-là vient de Dieu. Tout esprit qui dit que Jésus est le Messie, reconnaît Jésus comme son Messie, celui-là vient de Dieu. Cet esprit-là vient de Dieu, ce prophète-là vient de Dieu. N'est-ce pas? D'accord. Si la Bible dit qu'on doit reconnaître que Jésus est le Messie, on va voir si les musulmans ne reconnaissent pas que Jésus soit le Messie. En ce moment-là, ils deviennent des antichrists. Si l'islam ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, sauveur aux enfants d'Israël, en ce moment, les musulmans deviennent des antichrists, vous avez raison. Mais si le Coran dit que exactement Jésus est le Messie, ça prouve que vous avez été dans l'islam, comme vous dites, mais vous n'avez rien compris de l'islam, vous étiez juste de passage. Donc, on va aller voir les textes du Coran pour savoir si je suis un antichrist ou pas. On va lire le premier verset du Coran que vous avez ignoré, que vous ignorez et que je sais que vous n'avez jamais entendu aussi. Allah dit dans le Coran, dans la sourate 5 à partir du verset 75. Écoutez très bien, s'il vous plaît, monsieur Jean-Cy Kindomba, mon papa. Allah dit, le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Et sa mère est une véridique. Regardez comment le verset est limpide. Allah dit, Jésus est le Messie. Fils de Marie, n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. Point. Et sa mère était une véridique. Voilà le Coran qui dit que Marie était une véridique. Marie disait la vérité. Parce que lorsque les gens de son peuple vont voir Marie avoir un enfant alors qu'elle n'a pas connu d'homme, et elle a dit que cet enfant-là ne vient pas d'elle mais de Dieu, les gens vont prendre Marie pour une menteuse. Mais là, Allah vient confirmer que Marie dit la vérité. Donc, comment un antichrist peut dire que Jésus est le Messie? Et comment un antichrist peut dire que Marie dit la vérité? En disant ce qui donne Maïs, Ismaël Aka, qui est le vrai antichrist. Question. Et Allah continue pour dire, et tous deux consommaient de la nourriture, voire comme nous les expliquons des preuves, et voire comme ils s'en détournent. Allah dit, regarde, Jésus et Marie mangeaient de la nourriture. Vous dites que Jésus est votre Dieu, et que Jésus vous a parlé en esprit, comme ça, ceci, cela. Papa, c'est pas Jésus. Parce que vous ne le connaissez pas. Vous dites que c'est votre frère. Donc, avant de partir, vous allez nous dire comment votre frère il est.
Il est gros, il est mince, il est bronzé, il a beaucoup de cheveux. Vous allez faire un peu le portrait robot de Jésus avant de partir. Comme c'est votre frère, voilà, on ne sait jamais. Peut-être que Jésus avait un côté congolais qu'on ne savait pas, mais vous allez nous le dire, Inch'Allah. Mais pour revenir dans le vif du sujet, c'est que vous devez savoir que l'islam n'est pas antichrist, les musulmans ne sont pas des antichrists. Pourquoi? Parce que Allah dit que Jésus est le Messie. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a confirmé qu'il est le Messie par la bouche. De sa propre bouche, par ses enseignements qu'il a donné, il a prouvé que Jésus est le Messie. Et le prophète Mohammed dit que Jésus même est son cousin. Si vous, Jésus est votre frère, lui, il dit Jésus est son cousin. Mais lui, au moins, il a donné des preuves. Parce qu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lui, il est descendant d'Abraham par Ishmaël. Par contre, Jésus est descendant d'Abraham par Isaac. Donc, Isaac et Ishmaël sont des frères. Normalement, que Jésus et Mohammed soient des cousins. Parce qu'ils sont descendants de la lignée d'Abraham. Vous, Jésus est votre frère, comment? Expliquez-nous, donnez-nous votre différente filiation, etc. Quand vous allez prendre la parole. Donc, d'abord, pour commencer, pour dire, Jésus ne peut pas être Dieu. Pourquoi? Parce qu'Allah dit dans le Coran que Jésus et Marie mangeaient de la nourriture. Ce n'est pas une insulte de dire que Jésus n'est pas Dieu. Parce que dans la Bible, ça a été dit que Jésus n'est pas Dieu. La femme samaritaine au bord du puits, quand elle voit Jésus, elle dit quoi? Elle dit, je sais que tu es prophète. Jésus, je sais que tu es prophète. Jésus ne l'a pas dit, tu blasphèmes, femme, tu m'as insulté. Non. Non. Elle dit, je sais que le Messie doit venir. Ah, Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. Je suis le Messie. Alors, le Coran reconnaît que Jésus est le Messie. Donc, en aucun cas, le Coran peut être, nous, les musulmans, ou bien moi, Ismaël Akaj, je peux être un antichrist, parce que je crois que Jésus est le Messie. Je crois que Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël comme sauveur. Mais, sauf que ce que vous devez comprendre, c'est que, 1. Il n'y a aucun verset de la Bible qui donne le salut aux Congolais. 2. Il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que Jésus est Dieu. 3. Il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que Jésus a enseigné le christianisme. 4. Il n'y a aucun verset de la Bible et du Coran qui dit que Jésus est Dieu venu sous forme humaine et qu'on doit l'adorer. 5. Il n'y a aucun verset de la Bible comme du Coran qui dit que Jésus a enseigné le christianisme. Je vais citer plein de défis. Vous n'allez relever aucun de ces défis-là. Alors aujourd'hui, on est là pour savoir, est-ce entre l'islam et le christianisme, quelle est la religion qu'on doit suivre? Alors, vous allez rentrer dans le vif du sujet, nous dire comment est-ce qu'on est sauvé étant chrétien. D'abord, vous allez nous donner l'origine du christianisme. Vous avez dit que l'islam a commencé, est venu 6 siècles après le christianisme. C'est archi faux. Archi faux. Vous n'avez rien compris et je vais essayer de vous expliquer. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez connaître d'abord la signification du mot islam. Vous devez connaître la signification du mot islam. Allah dit dans le Coran, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, de la bouche du prophète Mohammed, Allah lui révèle ce Coran et dit, « Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim, dinan qiyama, lillata Ibrahim wa anifa, wa ma kaina mina mushrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la shirika la, wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. » Donc, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a eu cette révélation-là pour dire que lui ne fait que suivre la religion d'Abraham. Lui ne fait que suivre la religion d'Abraham. Donc, l'islam a commencé bien avant le christianisme, parce que le christianisme est venu après la mort de Jésus. Par contre, l'islam signifie soumission à la volonté de Dieu et l'obtention de la paix dans cette soumission-là. Donc, tous les prophètes, depuis Adam jusqu'au prophète Mohammed, étaient des musulmans, ont pratiqué l'islam. Mais le prophète Mohammed va venir nous enseigner maintenant l'islam dans sa forme parfaite, universelle et définitive. Quand on regarde dans le Coran, Allah il lance le défi. Dites-vous que Abraham était juif ou chrétien? Donc l'islam n'a pas commencé avant le christianisme, et plutôt après, mais plutôt avant le christianisme. Parce que l'islam, c'est la soumission. Or, la soumission, c'était la base. Voilà pourquoi quand Dieu dit à Adam dans le jardin d'Éden, tu ne mangeras point de ça, il amène Adam à être soumis à sa loi, à être soumis à sa volonté. Donc, c'est ce que vous devez comprendre de l'islam. Donc, rentrez dans le vif du sujet et puis le débat va commencer. Merci. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Ma soeur Kanate Asiata, salam alaikum. Merci pour la dernière fois. Hein. Merci pour l'invitation. Elle a mis dans le commentaire qu'il faut qu'on revienne dans le thème. Hein. Kanate Asiata a dit de revenir dans le thème. Donc, il faut qu'on revienne dans le thème, comme Ismaël est revenu dans le thème vers la fin de ses 10 minutes. Le thème, c'est entre l'islam et le christianisme. Mais ça englobe un peu tout, hein. Jésus est Dieu. Est-ce que le salut, c'est par Jésus? Est-ce que, un peu de tout. Donc, on suppose que vous êtes déjà dans le thème. Rapidement, avant que Jansi Kindoba ne prenne la parole, je voulais rapidement, dire que la DDR Burkina Faso s'est organisée. Ils se sont réunis ce matin-là à la maison des jeunes, n'est-ce pas, à Ouagadougou. Ils ont fait la réunion pour que nous puissions venir à Ouagadougou, initialement au Burkina Faso. Après la Tabaski, voici leur...
Je reviens avec mes invités. Voilà. Mon père, Ismaël a parlé. Vous avez 10 minutes. C'est parti. Attends, je vais ouvrir ton micro. Voilà. Ok, c'est Ismaël, bon. Ismaël, je suis très ravi de ce que vous venez de dire. Vous savez, dis à cet auditeur de lui dire que j'avais dit que nous sommes à l'introduction. On ne peut pas partir comme ça sans voir la fondation. Moi, je ne suis pas un enfant où il faut manipuler comme les autres sont venus, non. Je vous ai dit que vous recevrez une personne que vous n'avez jamais reçue. En me disant que je ne connaissais pas l'islam. L'islam, c'est la soumission. Quand on dit l'islam, c'est la soumission à Dieu, c'est-à-dire même moi, je me soumets à Dieu. Donc même moi, d'après vous, je suis musulman. Soumission à Dieu, c'est l'obéissance que Dieu avait dit à Abraham. Obéis. Même Adam, il n'a pas obéi, il a été chassé au paradis. Donc moi, là, avant d'aller au fond de notre thème, il faut que nous enlèvons moi quelque chose, parce que Ismaël vient de me dire que non, prouve-moi que comment tu es le frère de Jésus, Mahomet est le cousin. Vous savez, Jésus-Christ est venu premièrement pour les Juifs. Nous, là, dans les pays, en face de nous, il y avait un matin. Que les auditeurs m'écoutent très bien, Ismaël, écoute-moi. Il y avait un matin chaque jour que nos camarades frappaient leur maman. Chaque matin, ils frappaient leur maman. Écoutez cette histoire, Oustaz. Chaque matin, ils frappaient leur maman. Il les frappait à la mort. Moi, j'ai dit non, il va aller vérifier d'abord pourquoi ils frappent leur maman. Quand nous sommes allés, mais pourquoi Philippe? Quand ils ont expliqué pourquoi ils frappent leur maman, nous avons dit de cette façon, ne les frappez plus, laissez nous-mêmes les frapper. C'est-à-dire, je veux dire quoi? Jésus-Christ est venu premièrement pour les Juifs. Les débats que nous faisons avec les musulmans, fait avec nous, Jésus-Christ l'a fait dans Jean 8. Jésus-Christ a tout parlé. Jésus-Christ a tout expliqué. Jésus-Christ expliquait ça aux Juifs. Aux Juifs que le salut était venu à eux, premièrement à eux. Jésus-Christ, c'est d'abord d'après les Juifs prenaient l'enseignement de Jésus-Christ comme une séduction, comme un égarement. Jésus-Christ avait les problèmes avec les frères juifs. Si Jésus-Christ avait les problèmes avec ses frères juifs, à combien plus les musulmans qui n'ont rien à voir dans cette affaire? Les musulmans n'ont rien à voir dans l'affaire de Jésus-Christ, parce que le salut est venu premièrement pour les Juifs. Les Juifs ne l'ont pas reçu. Voilà pourquoi la grâce est descendue partout. Donc, vous aussi, vous avez droit à cette grâce de croire selon Jean 1:12. Selon Jean, quand vous croyez, vous avez la vie comme Jésus-Christ a dit. La Bible dit dans Jean 3:36, celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu demeure en lui. Alors, si les musulmans croient que Jésus-Christ est le Messie, on ne peut pas être là pour débattre cela. On allait toujours être d'accord. Mais les musulmans, quand ils croient que Jésus-Christ est le Messie, les musulmans ne croient pas que le paradis, il faut passer par Jésus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'hallucination dans tout cela. Moi, quand je dis que je suis le frère de Jésus-Christ, je peux m'expliquer. Parce que son esprit est en moi. On ne peut pas parler du Christ sans voir son esprit. Jésus dans Matthieu a demandé aux ses apôtres, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Non, tu es prophète. Et puis l'autre disciple a dit, tu es l'un des prophètes. Jésus a dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Pierre est en arrière, il est venu en avant pour dire que toi, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus-Christ est dans Marc 5 devant les fous de Gadara. Les démons reconnaissent. Nous savons qui tu es, les saints de Dieu. Les saints de Dieu. Quand Jésus entendit que Pierre avait dit tu es le Christ, Jésus a commencé à parler. Pierre n'avait pas dit tu es Jésus. Non, tu es le Christ. La Bible dit dans Colossiens, le mystère de Dieu, la sagesse de Dieu, les secrets de Dieu est caché en Christ. Si nous avons une même réponse, soit le sentiment de croire en Jésus, on ne pouvait pas avoir de débat.
Mais quand vous êtes là pour appeler Mohamed Sanogo, Gédéon de Tchétchouva, je vous entends sur tout ce que vous faites là. Et toi, Ismaël, tu as dit, si vous venez, soit tu deviendras musulman, soit tu vas perdre tes fidèles. Ça, c'est le manque de respect. Ce n'est pas la vérité que vous dites là, Ismaël. Moi, j'ai beaucoup de pitié pour vous. Parce que tu lances un débat qui n'est même pas valable à ce que je viens de lire dans Jean 9, 10. On n'a pas droit à parler avec vous. C'est vous, comme nous là, quand je viens en Côte d'Ivoire, moi je ferai, si Dieu, si Jésus-Christ veut, une campagne d'évangélisation où nous, je vais parler de Jésus, où par la grâce de Dieu, par son amour, il va guérir les malades. C'est ça ce qu'on fait dans... Donc, vous avez droit à faire ça. Allez à Yapougon, où vous allez. Même là où vous dites que Oustaz a dit que vous allez partir. Allez dans un stade, prêchez le Coran, appelez les malades, guérissez au nom d'Allah, guérissez au nom du prophète Muhammad. Quand vous allez le faire, en ce moment-là, les gens vont dire que oui, ceci, quand même, on la voit. C'est ça l'évangélisation pour remplir le paradis. Parce que le monde est sous l'emprise du diable. Les gens sont envoûtés, les gens ont des problèmes, il y a des maladies. Or, la Bible dit dans Luc 4, 18, Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Guérir, délivrer, recouvrir des vies, proclamer une année de grâce. C'est ça la mission que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire. Donc, bref, moi qui vous parle là, je n'ai pas vécu avec Jésus, comme l'apôtre Pierre dit. Vous n'avez pas vécu avec Jésus. Vous n'avez pas mangé avec lui. Mais vous êtes sauvés à cause de la foi. Ismaël, la deuxième chose que tu n'as jamais entendue, la foi, c'est F-O-I. La foi, c'est-à-dire... Il faut être fidèle à Dieu. Oh, il faut être orienté à Dieu. Il faut être intègre à Dieu. C'est ça la foi. Abraham était fidèle à Dieu. Abraham était orienté. Voilà pourquoi il s'est séparé avec son oncle, son neveu Lot. Abraham était intègre. Voilà pourquoi le temps venu, Dieu est parti pour lui dire que l'année prochaine, ta femme, elle sera enceinte. Parce que quand Dieu lui a dit « Sors », lui, il a parti avec l'autre, son neveu. Le chemin, ce n'est pas de partir avec son neveu, mais Dieu a voulu qu'il parte seul. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est une personne, c'est Jésus. Voilà pourquoi, mon frère, comme je suis là, je te parle au nom de Jésus-Christ. Pour terminer, parce que, le dit, moi, je n'ai pas de chrono, je vais André Ismaël parle avec le chrono, mais moi, je n'ai pas. Il y a 2 minutes. Pardon? Il vous reste 2 minutes. 2 minutes. Voilà. Voilà. Pour parler, parce que moi, je n'ai pas le chrono, il fallait que je suivais mon chrono. Comme je suis là, je suis le frère de Jésus-Christ, parce que j'ai son esprit. Dans le livre de Jean 3, 8, 30, 32, Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui, comme vous avez cru en moi, demeurez dans mes paroles. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc moi, ça ne me choque pas. Comme j'ai connu la vérité en Christ, je sais que Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon frère. Jésus-Christ est mon sauveur. Je suis son frère parce que je suis un homme. Je suis son frère, membre de l'Église. Voilà pourquoi, Ismaël, je voulais te dire ceci en terminant dans une minute. Comme je suis là, je suis défenseur de la bonne nouvelle. Quand tu me dis qu'il n'y a aucun verset qui parle que Jésus-Christ est Dieu, même si je te l'ai dit, tu ne croirais pas. Pourquoi? Tu n'as pas la révélation sur Christ. Tu n'as pas le Saint-Esprit de Christ. Tu n'as pas l'Esprit de Jésus-Christ. Tu as droit de ne pas accepter. Donc, on peut commencer à les parler maintenant. Voilà pourquoi je t'avais dit, en vous recevant, je ne fais rien. On va parler tout ce que je vais dire de la Bible, tu ne vas pas accepter. Tout ce que tu dis du Coran, je ne vais pas accepter. Donc, on ne fait rien.
Donc c'est inutile de vous recevoir. Voilà pourquoi, sans injure, celui qui n'accepte pas Christ ouvertement comme sauveur, c'est un antichrist. Dire que Jésus-Christ et les musulmans acceptent comme des antichrist, c'est la bouche. Mais la circoncision du cœur, vous n'en avez pas. Vous n'avez pas l'esprit de Jésus-Christ. Voilà. Merci beaucoup, Jansi Kindomba. Jansi Kindomba, attendez, il dit quoi? Il faut que je cherche le chrono parce que je n'ai pas le chrono. En attendant qu'il aille chercher le chrono, voilà, il a dit tout ce qu'il va dire, les musulmans ne vont pas accepter. Mais le frère Jansi Kindomba doit comprendre que nous sommes 6000 personnes connectées. Au moins, il va sauver au moins 2 ou 3 ou 5 000 ou je ne sais pas. Hein, tu vas sauver des âmes, même si il vous dit. Donc, voilà, il faut qu'il vienne pour que je lui adresse cette parole et puis on va continuer le débat. Voilà, donc papa, je disais que même si vous dites que Ismaël ne va pas accepter ce que vous dites et que les musulmans ne vont pas accepter ce que vous dites, vous prêchez la parole parce que nous sommes près de 6 000 personnes connectées. Avec ces personnes-là, vous allez quand même sauver des âmes. Ce n'est pas convaincre Ismaël ou moi me convaincre qui est le but du sujet. Il faut prêcher, voilà. On ne prêche pas dans le désert. Donc, vous prêcherez et les gens vont vous écouter, Inch'Allah. Rapidement, pour vous dire ceci, le représentant de la DDR en France, c'est Lambert Aglassa. Pour ceux qui nous ont vus en France, vous prenez son numéro, il est au plus 33, 643. 40 36 98. Le représentant de la DDR à Paris, en France, il est au plus 33 643 40 36 98. Son adjoint, il s'appelle Liber Cabral, le grand frère. Salam alaikum Koro. Lui, il est au plus 33 66 10 25 779. Je reprends. L'adjoint de Aglassa Lambert, représentant de la DDR en France, il est au plus 33, 66, 10, 25, 779. Et également, rapidement, pour vous dire que le bureau de la DDR est situé à Yopougon, Andokwa, 23e arrondissement, mais elle est encore en rénovation. Donc, il y a d'autres informations que je vais revenir maintenant pour ne pas déconcentrer Ismaël Aka. Le thème, c'est l'islam et le christianisme. Où se trouve la vérité? Quelle est cette religion que nous devons suivre? Quand vous écoutez mon père, vous écoutez Ismaël, à vous de juger. Je ne suis que modérateur ce soir, je n'ai pas de parti pris. Vous avez 10 minutes, Ismaël. Simla. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Déjà, je crois que le débat a perdu son sens même, ça a perdu sa valeur parce que excusez-moi, papa, vous n'avez pas le niveau de débattre. Vous êtes un bon prédicateur, un bon prêcheur, vous n'êtes pas un bon débatteur. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prouver quoi que ce soit. Vous ne pouvez rien prouver, mais vous pouvez prêcher. Ça, c'est possible. Vous pouvez parler, les gens vont dire amen. Mais vous ne pouvez rien prouver. Vous êtes un bon prêcheur, un bon prédicateur, vous n'êtes pas un débatteur. Alors que nous, ici, à la DDR, en plus d'être des prédicateurs, on est des débatteurs. Donc, le problème, c'est que quoi? Vous dites que Jésus-Christ, quiconque ne confesse pas Jésus comme le Messie est un antichrist. Je vous donne un verset du Coran où je vous donne votre micro est fermé, papa. Donc on ne vous entend pas. Voilà, donc patientez. Je vous donne un verset où le Coran dit que Jésus est le Messie. Vous voyez, vous dites non, il s'agit de la circoncision du cœur. Est-ce que vous êtes dans notre cœur pour savoir? Non. Donc papa, écoutez très bien, votre fils va vous parler. Nous, les musulmans, nous reconnaissons très bien que Jésus est le sauveur envoyé aux enfants d'Israël. Nous reconnaissons très bien que Moïse est le sauveur envoyé aux enfants d'Israël. Nous, la seule chose que nous disons, c'est que le Coran dit que Jésus et sa maman mangeaient. Puisque les deux mangeaient, ils ne peuvent pas être des divinités qu'on adore. Parce que Dieu ne mange pas. Dieu, Allah, il dit, c'est moi qui vous nourris et personne ne me nourrit. Du moment où Jésus a mangé, là, il ne peut pas être Dieu. Voilà que vous dites que vous êtes le frère de Jésus. Donc, en d'autres termes, vous êtes le frère de Dieu. Vous voyez comment c'est compliqué. Vous voyez. C'est très compliqué, papa. Ne faites pas ça. Vous êtes un bon prêcheur. Si c'était dans une église, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de fidèles. Mais malheureusement, ici, on a un débat. Un débat, c'est argument contre argument, verset contre verset. Ne dites pas que vous ne devez pas nous recevoir parce qu'on vous a démontré qu'on n'est pas des antichrists. Bon, supposons qu'on soit des antichrists. Au moins, transformez-nous pour qu'on soit des gens qui suivent Jésus. Pourquoi vous voulez nous laisser? Papa, vous dites,
Vous dites que nous, la DDR, on lance des défis, on prêche, on ne fait pas des miracles. C'est ça le problème. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jean 3, verset 34? Jean 3, 34, Jésus dit là-bas, « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu et non les miracles. » Donc, parce que Jean-Baptiste n'a pas fait des miracles, donc il devient fou, quoi. Vous pouvez nous montrer un seul miracle que Jean-Baptiste a opéré. Mais Jésus dit, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Malgré que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Donc, vous, votre prédication, c'est-à-dire que vous, votre moyen d'envoyer les gens être sauvés ou bien d'envoyer les gens au christianisme, c'est les miracles. Mais il y a plein de femmes ici qui font les miracles ici. Hein. Des sorcières qui font les miracles ici. Féticheurs font miracles. Charlatans font miracles. Vous aussi, vous faites miracles. Où est la différence? Ce n'est pas les miracles qui sauvent. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. C'est le royaume des cieux qu'il faut chercher. Et comment on cherche le royaume des cieux? C'est en étudiant et en observant les lois et les prescriptions de Dieu. C'est ça qui donne la vie éternelle. Ce n'est pas les miracles. D'ailleurs, vous avez fait beaucoup. Moi, je sais que vous, là, vous avez fait beaucoup de miracles, papa. Mais tout ce que vous avez guéri, là, est-ce qu'ils sont, vous pouvez les garantir que leur nom est écrit dans le livre de vie? Vous pouvez dire que s'ils meurent tout de suite, ils vont aller au paradis? Vous avez quelle certitude? Rien. Aucune certitude. Vous-même, là, vous ne pouvez pas dire que vous êtes sûr que vous allez aller au paradis. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous allez dire non, par la miséricorde de Dieu. Non. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire, vous dites que celui qui a le Fils a la vie. Mais exactement, nous, on est d'accord. Nous, les musulmans, on est sereins. On est sereins parce que nos textes témoignent pour nous. Moi, je suis mal placé pour parler de la vie, pour parler du musulman. Écoutez bien le verset qu'Allah dit dans le Coran. Et moi, je ne parle pas à vous. Hein. De par vous, moi, je passe pour parler aux autres frères chrétiens qui n'ont pas encore compris et les non-chrétiens qui n'ont pas encore compris. Que l'islam est la vérité. Vous êtes comme un appât, j'ai dit. Vous êtes comme un appât pour nous, pour pouvoir éclairer les autres qui ne savent rien de l'islam. Allah dit dans la sourate 43, 68 à 70. Ça, c'est le verset préféré de tous les musulmans. Qu'est-ce qu'Allah dit? Il dit, « Oh mes serviteurs, vous ne devrez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez faites. » Sourate 43, 68 à 70. Allah dit dans la sourate 42, sourate 41, sourate 40, beaucoup de sourates, Allah dit que quiconque, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, et ensuite se tient sur le droit chemin, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Voilà. Déjà, vous avez pris le courant, ça me fait rappeler que des 51 versets sataniques que vous devez nous donner. N'oubliez pas, hein, papa. Les versets sataniques, là, on a besoin de ça. C'est-à-dire, Allah nous dit dans le Coran, et ne suivez pas les pas du diable. Et vous dites que dans le Coran, il y a des versets sataniques. On attend ça. Toujours vous raconter ça aux gens, non? Aujourd'hui, nous, on est là, on est présent, on attend les 51 versets. On veut un même, parce que 51, c'est trop. Donc, on veut un verset satanique, ou bien deux versets sataniques. Et puis, on va voir, on va étudier pour voir sur quoi vous basez pour dire que c'est satanique et comment est-ce que c'est satanique. Vous allez nous donner des raisons, quoi. Voilà. C'est comme ça que vous faites perdre les gens. Les gens auront peur de s'approcher du Coran pour dire non, il y a les versets sataniques dans le Coran. Il n'y a aucun verset satanique dans le Coran. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas de verset satanique. Vous dites que le prophète Mohammed a prêché avec le Coran dans la main et puis l'épée. Mais c'est ce que tous les prophètes ont fait. Tous les prophètes. Ils ont prêché avec leur livre plus l'épée. Jésus dit, quiconque a un sac, un vêtement, le vend et achète un épée. Les disciples sont allés vendre tout ce qu'ils avaient, ils sont venus. Ils disent, Jésus, on a eu deux épées. Jésus dit, c'est bien. Gardez ça. Épée, là, c'était pour couper oignon ou bien tomate. Papa, si on veut lire les versets dans la Bible où Moïse, que vous croyez qu'il est un véritable prophète, la vie de Moïse, vous serez découragé. David, souvent vous chantez à l'église, David a battu Goliath pour libérer Israël. Goliath, c'est pas enfant de quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé entre David et puis Goliath? David a tué Goliath. Vous, ça vous plaît, vous chantez. Mais pourquoi vous chantez ça? Mais est-ce que Goliath, c'était pas enfant de quelqu'un? Si, Goliath était un enfant. David a tué, mais ça, vous êtes content. Vous allez dire que non, David est mauvais parce qu'il a tué Goliath. Non. Est-ce que David devient un faux prophète parce que David a tué des gens? Non. Quittez ce débat-là. Quittez ce débat d'épée. Ça ne va pas vous arranger. Revenons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous pouvez nous montrer pour nous dire que le christianisme est la religion qu'on doit suivre? C'est ça. C'est ça. Vous avez quoi? J'ai dit, il n'y a aucun verset de la Bible qui parle de vous, les Congolais. Prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire. J'ai dit bien, il n'y a aucun verset de la Bible qui parle des Congolais dans la Bible. Ça n'existe pas.
aucun salut pour vous. Montrez-nous si normalement, moi j'ai donné un verset où c'est écrit que le musulman rentre au paradis. Donnez-nous un verset où il est écrit que le chrétien va au paradis. C'est ce que les gens attendent. Hein. Les gens ne sont pas là dans votre affaire de Ismaël Aka, vous n'allez pas me. Tu es un antichrist, je ne dois pas te recevoir, vous les musulmans. Vous... Non, on n'est pas dedans. Nous ne sommes pas là. Nous sommes vraiment soucieux de notre. En tout cas, les gens sont soucieux, les autres là, qui ne sont pas encore musulmans, là, et non musulmans, ils sont soucieux, ils ont besoin de quelqu'un pour les guider. Hein? Ne parlez pas des miracles, parce que les miracles sont là pour faire perdre. Aucun miracle ne sauve. Le plus important, c'est d'avoir la sérénité du cœur. Alors, pourquoi nous, les musulmans, on a la guérison du cœur. Donc, même quand on a un œil qui est cassé, on dit Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous, lorsque les épreuves sont difficiles chez nous, on dit Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Parce qu'on a la connaissance d'un verset qu'Allah va nous dire dans le Coran. Sourate 29. Écoutez bien la sourate 29. Qu'est-ce qu'Allah nous dit dans la sourate 29? Allah dit Alif, Lam, Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on leur laissera dire nous sommes croyants sans les éprouver? Ah, elle a dit non. Tant que tu dis que tu es croyant, tu dois avoir des épreuves. Donc, avoir les épreuves dans la vie, là, c'est une grâce de Dieu. Surmonter ces épreuves-là, c'est une valeur qui montre que tu es vraiment un croyant. Allah dit dans le Coran que pensez-vous entrer au paradis sans qu'on vous éprouve, vous soyez éprouvé par un peu de diminution de faim, de trucs, un peu de maladie, un peu de tout, ceci, cela, tout ça, là, ton proche meurt. Tout ça, ça fait partie des épreuves de la vie. Donc, papa, le miracle, là, c'est pas ça. Si on va à Figaro-Con, si vous qui dites vous faites des miracles, vous avez le monopole, vous avez le don des miracles. Mais je crois qu'au Congo, il y a beaucoup de malades. Pourquoi vous n'allez pas dans les supermarchés ou bien vous n'allez pas dans les cliniques, dans les polycliniques? Les gens souffrent. Pourquoi vous n'allez pas opérer ce genre de miracles-là? Vous avez les miracles et vous êtes assis chez vous. Tant qu'on ne vient pas vous consulter, vous ne guérissez pas. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous êtes son frère d'ailleurs. Il vous a donné gratuitement le don des miracles. Normalement, tout Congo doit être en paix en ce qui concerne la santé. Vous devez être un ministre même de la santé. Parce que normalement, avec tous ces miracles-là, dès que quelqu'un vient avec le sida, vous le guérissez. Voilà. Donc, normalement, votre place est au gouvernement, c'est pas à l'église. Donc, pour vous dire que papa, nous sommes clairs et précis, concrets et dit, vous ne pouvez jamais montrer que Jésus est Dieu. Si vous avez le verset où Jésus est Dieu, montrez, même si moi, je ne crois pas là. C'est moi qui serai incrédule, mais les gens qui vous écoutent là vont croire. Si c'est vrai, moi je peux être incrédule, mais le monde entier ne peut pas être incrédule. Donc si vous avez le verset où Jésus dit « Je suis Dieu, adorez-moi », ou bien vous avez le verset qui prouve que Jésus est Dieu, vous le donnez ici, on va entendre. Si j'ai nié, ils vont dire « Ah, Ismaël Aka, c'est toi qui refuse, mais nous on a encore pris, nous on va à l'obéissance. » Vous étiez musulman, vous adorez le Dieu qui a créé Jésus. Vous êtes allé maintenant devenir chrétien pour adorer Jésus qui est la créature. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il fasse de nous des musulmans sincères. Amin, amin, qu'Allah me donne la bonne compréhension. Mon père, avant de te donner la parole, Jean-Sin Kindomba, je voulais saluer mon frère Massa. Hein, Massa, depuis Mikao, il se reconnaîtra, Inch'Allah. Salam alaikum, Massa. Merci beaucoup. Également, Agla Salambe est à la partie technique. Deikaba, depuis la Caroline du Nord, lui, il est en observation. Nouroudine est accompagné de Oussaziane ici au laboratoire de la DDR. Je voulais rappeler rapidement que Daouda Sanogo, le représentant, sinon le chargé d'organisation de la DDR, il est au Maroc en ce moment dans une mission pour la DDR. Il revient bientôt, là, vendredi prochain. Nous serons à Djekanou, le vendredi prochain. Aujourd'hui, c'est le 4 juillet. Le 5, 6, 7, 8, le 9, on décolle pour Djekanou. On revient dimanche. Et ensuite, nous irons à Dimbokoro. C'est Daoukoro ou c'est Dimbokoro? Nouroudine, c'est Dimbokoro, non? Où on doit partir? Dimbokoro, c'est pas Daoukoro, hein? Dimbokoro. Donc après Djekanou, Dimbokoro. Sans oublier que le 14 juillet, mercredi 14 juillet, nous serons au campus universitaire de Cocody de 19h à 21h. La DDR sera bientôt à Bamako. On a créé un groupe WhatsApp pour Bamako. C'est déjà en activité. La Guinée également, nous serons en Guinée bientôt. Ils sont en train de s'organiser. C'est seulement le Burkina qui est déjà prêt. Après la Tabaski, on décolle pour Burkina Faso. Inch'Allah. Donc, le jeudi prochain, nous serons au Figaro. La France également nous réclame qu'Allah facilite tout ça. Avion Gombalani, c'est ça qui est le problème. Donc, qu'Allah facilite l'islam dans la Bible, la vraie page, c'est notre page Facebook également. Ismaël Aka, c'est la page Facebook également. Oussa Diané, c'est la page Facebook également. DDR, la vraie page YouTube. Donc, on a changé le nom. Beaucoup de personnes ont créé des comptes du YouTube DDR. C'est des bonnes guerres. Avant la fin de cette émission, je vais revenir, Inch'Allah, sur plus d'informations à ce sujet-là. Donc, nous revenons au débat.
Jean-Cyr Kindomba avait promis de faire entendre à Ismaël Aka des choses qu'il n'a jamais entendues. Les auditeurs, les internautes sont impatients d'entendre tout ça, mais il a le droit de le dire comme n'est pas le dit. Comme ça, c'est la première partie du débat, on va le retrouver, Inch'Allah, pour une prochaine fois encore, dans un autre thème. Et également, mon frère, mon papa, Moussa, qui est ex-pasteur à Ouagadougou, il va passer dans l'émission Cours biblique et coranique. Avant la fin de l'émission, je vais vous passer l'une de ces vidéos pour que vous sachiez de qui il s'agit. Jean-Cyr Kindomba, vous avez 10 minutes et c'est parti. Merci mon frère Ismaël Aka. Moi j'avais dit que malgré il y a des auditeurs qui nous entendent, je sais que demain matin, les musulmans vont écrire « Ah ce pasteur-là, il est incapable. » D'abord la DDR c'est quoi? Expliquez-moi la DDR c'est quoi? La DDR c'est quoi? La DDR signifie... Ah, Oustaz. Laisse-moi dans ces 10 minutes. Expliquez-moi voilà, la DDR, c'est quoi? Ça veut dire la dawa dans la rue. La dawa, c'est l'évangélisation. Donc, on peut échanger pour dire l'évangélisation dans la rue. Voilà. Ah, l'évangélisation, la dawa dans la rue. Voilà, voilà ça. Dawa dans la rue. Donc j'ai compris que la façon de moi dont moi j'amène ce débat, j'avais dit que je suis dans l'introduction aujourd'hui, mais Ismaël Aka veut toujours que notre Yéloé faut entrer dans les thèmes. Or j'avais dit que nous sommes dans l'introduction pour faire sortir ce qui est très important. Mais Ismaël, j'ai compris que bon, tu n'as jamais habitué de commencer cela. Toi tu t'habitues seulement pasteur. Prends-moi Jean 3,16. Lis. Donc, c'est toi que tu es habitué. Moi, quand je dis que je suis le président visionnaire d'Action Christ et prêché partout dans le monde, je suis un pasteur, j'ai un frère de Jésus-Christ et conférencieux. Je fais des conférences, je fais des débats. Donc, moi, je voulais peut-être commencer vraiment en bas. Mais c'est la première fois depuis que la DDR existe de commencer dans les fins fonds. Parce que tu es africain, vous savez qu'en construisant une maison, il y a des choses qu'on enlève quand on met des trous. Je voulais un peu enlever c'est tout cela pour qu'on mette des briques pour qu'il y ait une ligne là très fort. Mais c'est la première fois que tu n'as pas compris. Tu n'es même pas dans la vision où moi je suis. Pour qu'il faut que, comme c'est l'introduction aujourd'hui, malgré des heures du temps, qu'on parle des choses qui est sérieux. Mais dans l'introduction, je veux maintenant dans les thèmes. Entre l'islam et le christianisme, où est le chemin qui mène à Dieu? Nous, dans l'islam, nous avons les prophètes et Mahomet. Dans le christianisme, nous avons Jésus. Alors, je vais lire un verset avec moi. Écoutez-moi bien. Je vais lire un verset. Psaume 27:1-2. La Bible dit, David qui dit, « Le Seigneur est ma lumière, mon salut. De qui aurais-je peur? Si le Seigneur est le rempart de ma vie, de qui peut m'effrayer? » C'est David qui le dit. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Le Seigneur est le soutien, de qui j'aurais-je crainte? Dans 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 5, mais je vais invoquer tout petit verset là, pour qu'on aille directement dans les thèmes que nous avons entre le christianisme et l'islam, où est le chemin qui mène à Rome. Jean dit ceci, écoutez-moi, nous sommes entrés maintenant dans les thèmes. Voilà ce qui était depuis le commencement, que nous avons entendu. Jean dit, voilà ce qui était dès le commencement, que nous avons entendu. C'est-à-dire, même Jean n'était pas dans le commencement, mais il a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? C'est la parole qui était au commencement. Et que nos yeux ont vu la parole qui était au commencement, que la Bible dit, Dieu. Mais Jean dit, nous l'avons vu. Donc Jean confirme que Jésus-Christ, c'est la parole. Si vous ne croyez pas que Jésus-Christ a dit qu'il est Dieu, mais Jean le témoigne. Parce que Jésus-Christ a fait résister la fille de Jaïrus. Il les a dit, ne crie pas, ne parle pas. Jésus-Christ a fait des miracles, il a dit, ne dites à personne. Ce sont des choses qu'on ne peut jamais fermer la bouche pour ne pas dire. Mais quand les gens partaient, ils disaient quoi? Dieu m'a fait ceci. Jean dit ceci. Et que nos mains ont palpé.
La parole qui est au commencement, qui est devenue chair, Jésus, Dieu, Jean dit, nos mains ont palpé. Bon, c'est la lumière. Et qu'est-ce que Jean dit? Dans 5, voici le message que nous avons reçu de lui qui de Jésus-Christ. Et que nous vous annonçons, Dieu est lumière, il n'y a plus rien à lui les ténèbres. Jean dit, voici le message que nous avons entendu de Jésus. Dieu est lumière et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Jésus-Christ est devant Pilate. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ismaël, qu'est-ce que toi tu veux dire de tout cela? David dit, l'Éternel est ma lumière. Je vous ai entendu ce jour-là, vous dites quoi? C'est toi Ismaël qui a dit, l'Éternel c'est son nom. Je vous ai acclamé. Il y a un débat que vous avez fait à la rue. Ismaël a dit, l'Éternel c'est son nom, ce n'est pas Jésus. Mais David dit, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. Maintenant Jean dit, la parole qui était au commencement, nous avons touché, nous avons palpé, nous avons mangé avec lui. Il nous a annoncé, Dieu est lumière. En lui, Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Jésus-Christ devant Pilate dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Une question à toi, parce que pour vous, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Quelle différence y a-t-il de l'Éternel et ma lumière de David? Quelle différence y a-t-il? Jean a dit la parole qui nous avons palpé, touché et mangé ensemble. C'est lui la lumière. Quand vous êtes ensemble avec lui, il n'y aura pas les ténèbres. Jésus-Christ s'est déclaré devant Pilate. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Je veux que vous m'expliquiez maintenant. Parce que Jésus-Christ n'est pas Dieu pour vous. La lumière de David, la lumière de Jean, qui était la parole au commencement, qu'ils ont touché, oh, la parole qu'ils ont touché, qui était la parole, ils ont touché qui, et cette parole est la lumière. Elle est devenue une chair qu'ils ont touchée. Pour vous, Ismaël Aka, pour les musulmans qui m'entendent, comme Jésus-Christ n'est pas Dieu. Qu'est-ce que ça vous dit, tous les trois versets? Je n'ai pas beaucoup dit dans mes 10 minutes, tu peux me répondre. Oustaz, soyez calme et laissez-nous parler entre Ismaël, parce qu'on se parle dans le calme. Parlez, je vous écoute. Merci beaucoup, papa. Merci pour la question. C'est que la réponse est très claire. C'est-à-dire que vous pêchez, on appelle ça pêcher par analogie. Vous savez ce que c'est que pêcher par analogie? C'est-à-dire, lorsqu'on voit dans un verset, c'est écrit lumière, et quand on voit dans un autre, c'est écrit lumière, on fait le colportage des deux versets et puis on dit, ça s'attribue à Jésus. David dit, l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je peur? L'Éternel est mon salut, de qui aurais-je crainte? N'est-ce pas? Et voilà que Jésus, en face de Pilate, selon vous, vous dites que Jean plutôt dit que Jésus est la lumière et Jésus en face de Pilate. Mais continuez la lecture de Pilate. Dans l'événement de Pilate, qu'est-ce qui s'est passé? La femme de Pilate a dormi. Elle a vu en songe quelque chose. Quand elle s'est réveillée le lendemain, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit à son mari, je vois que celui-là est un prophète, il vient de Dieu. En d'autres termes, elle demandait à Pilate de s'enlever de cette affaire-là. Lui, Jésus est la lumière. Nous reconnaissons que Jésus est la lumière. Mais n'oubliez pas, quand Jésus dit « Je suis la lumière », qu'est-ce que ça signifie? Jésus dit dans Jean 5, 30, « Je ne peux rien faire de moi-même, selon ce que j'entends. Je juge car mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il dit dans Jean 14, 24, « Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. La parole que vous entendez de moi, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Comme la parole qui sort de la bouche de Jésus n'est pas de Jésus, c'est Dieu qui met ses paroles dans la bouche de Jésus. Donc, en d'autres termes, quand Jésus dit « Je suis la lumière », il parle au nom d'un Dieu qui l'a envoyé. C'est comme ça dans le Coran. Allah dit, pour ne pas que nous, les musulmans, on tombe dans cette même ignorance, ou dans ce même égarement que les chrétiens. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut révéler les versets au prophète, il lui dit de dire « Dis, oul, dis ». Dans chaque voix, vous allez voir souvent dans le verset du Coran, c'est écrit « dit » deux points. C'est comme si Allah a dit au prophète de « dire ». Il parle au nom de Dieu. Regardez bien dans la Genèse 16, l'ange Gabriel, et oui, on va dire l'ange Gabriel, quand il est venu croiser Agar, papa, l'ange dit à Agar, « Je multiplierai ta postérité. »
et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la dénombrer. Question qu'on se pose, est-ce que c'est l'ange qui multiplie ou bien c'est Dieu au travers de l'ange qui multiplie? Réponse, c'est Dieu au travers de l'ange qui multiplie. Mais quand l'ange dit « je », il ne parle pas de son propre chef, il parle sous l'autorité de Dieu. Quand Jésus dit « je suis la lumière », exactement chaque prophète qui est envoyé de la part de Dieu là, est une lumière. Je vais vous donner un verset du Coran pour montrer que Muhammad aussi est la lumière. Regardez bien. Regardez bien. On va prendre la sourate 14. Vous pouvez vérifier avec moi les écritures. Regardez bien, vous allez voir le sens de la lumière. Sourate combien? Sourate chapitre 14. Sourate combien? 14, 14. Oui. Oui. Très bien. Allah dit, Alif Lam Ra, voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, Muhammad, afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir des gens des ténèbres à la lumière sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Vous voyez, Muhammad vient faire sortir des gens des ténèbres à la lumière. Bon, mais les gens sont dans les ténèbres. Non, papa, j'ai bien. J'ai fini. Non, oui, tu vas finir. Oui, tu vas Allah finir. Dit des ténèbres à la lumière. Uh-huh. Allah ne dit pas que le prophète de Muhammad est la lumière. Maintenant, on va analyser le texte pour voir. Vous voulez? Oui. On va analyser le texte. Oui. Si les gens sont dans les ténèbres, regardez bien, les gens sont dans les ténèbres déjà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lumière. Maintenant, Muhammad vient les faire sortir des ténèbres comment? Très bien. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est le message qui va éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. C'est le message maintenant qui éclaire. Il fait noir. On suppose qu'il fait noir, on est dans les ténèbres. Comment est-ce que Muhammad peut venir nous faire sortir dans le noir alors qu'il fait noir? Il faut qu'il vienne avec une lumière. Il faut que le coin soit éclairé pour que nous qui étions dans les ténèbres allions à la lumière, maintenant, voyons clair maintenant. C'est-à-dire qu'il ne peut pas venir avec les ténèbres, dans les ténèbres, pour enlever les gens des ténèbres. C'est impossible. Il faut qu'il vienne avec la lumière pour enlever les gens des ténèbres. Maintenant, regardez, est-ce que Muhammad maintenant va venir avec une lampe dans sa main? Non. Non seulement Muhammad va venir maintenant avec une parole. Il va venir lui-même avec une parole. Les gens sont dans les ténèbres. Lui vient, il est sorti des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire, il les enlève du noir au blanc, de l'obscurité à la journée. Donc, c'est-à-dire, lui-même, là, quand il vient, il est une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Parce qu'avant d'écouter la parole de Muhammad, là, tu vas l'observer, tu vas le regarder, tu vas l'écouter d'abord. C'est ce qui va sortir maintenant de la bouche de Muhammad qui va, toi, maintenant, t'enlever maintenant, qui va te séduire, t'enlever dans les ténèbres à la lumière. Voilà pourquoi, regardez bien. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, va recevoir une révélation d'Allah dans la sourate 3, verset 31. Regardez, le prophète dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah, il vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Ah, vous voyez, c'est-à-dire, le prophète, lui, vient comme une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Il vient, il dit, si vous voulez que Dieu vous pardonne vos péchés et que vous soyez sauvés là, suivez-moi. Donc, il devient non seulement le guide, il devient le chemin, il devient la lumière, puisqu'il va venir la faire connaître qui est Dieu. Il va venir la mettre sur un chemin droit. C'est ça la lumière. Et sauf que dans la Bible, nous reconnaissons. Quand Jésus dit je suis la lumière. Ismaël, excusez. Non. Là, tu ne parles pas bien. S'il s'agit des versets coraniques, il y a des échos, Ousmane. Il y a des échos, Ousmane. Allons-y, tu veux te faire expliquer que non, les prophètes. Oui, bon, moi, je te crois. Parce qu'au moment où j'ai dit au commencement, Aka, moi, là, je viens pour deux personnes en Côte d'Ivoire. Après la campagne d'évangélisation, je l'ai dit haut et fort, au nom de Jésus le Christ, que je suis le serviteur. Je vais suspendre Camille Makosso. Et je vais suspendre ton père. Avant de le suspendre, je vais d'abord le rencontrer. C'est que j'ai dit de quoi? La situation est christique. Attends, je viens. Il faut dire à Camille Makosso. Parce que jusque-là, j'ai dit, lui qui dit que Ismaël Aka connaît bien la Bible, que le pasteur, qu'Ismaël Aka m'explique aujourd'hui ou après,
Pourquoi Dieu a haï Esaü dans le ventre de Rebecca? Il a aimé Jacob. Qu'est-ce que Esaü a fait de mal pour que Dieu l'haïsse? Là, après, c'est une question qu'Ismaël va partir, va penser, va consulter pour me répondre. Mais moi, là, je parle de Jean. David a dit... Si vous voulez, je peux vous répondre tout de suite, si vous voulez. Non, attends. Je peux vous répondre tout de suite, mais c'est pas grave. Attends. David a dit, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. Jean dit, voici ce qui était dès le commencement. Au commencement était la parole. Jésus-Christ est un garçon de 33 ans. Peut-être toi, tu es son grand frère. Ce qu'il a fait, il n'a jamais dit écrit. Ce qu'il a fait, il n'a jamais dit. Il a dit n'écrivez pas. Il a marché Capernaum. Le prophète de Mohammed, même c'est son grand-père. Jésus-Christ est 33 ans. Mais aujourd'hui, le nom de Jésus-Christ est cité sans fort. Pourquoi? Il a dit que cette parole ira jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous, chrétiens, nous, si nous commençons à faire des débats avec des religions telles que vous, parce que c'est vous qui voulez, qu'ils avons le vouloir de faire les débats pour montrer au monde qui est dans les bons. Mais nous, chrétiens, nous restons seulement à prêcher la parole, à montrer aux gens que Jésus-Christ est le chemin du salut. Je reviens à tout ce que vous avez dit, à ce que nous avons lu dans le Coran. Moi, pour moi, je n'allais pas d'abord ouvrir le Coran. Moi, je ferme d'abord le Coran. Attends, parce que moi, là, avant d'ouvrir le Coran, je vais parler avec toi de Jésus-Christ pendant 3 mois. Pendant 3 mois de dimanche. Si au moins on termine avec Jésus, en ce temps-là, j'enlèverai ma Bible ici pour mettre le Coran. Mais je vais te répondre. Mahomet dit dans les sourates, suivez-moi, c'est bon, suivez-moi, parce que c'est lui qui avait le message de vie. Quand vous me suivez, vous serez dans le chemin d'Allah. Il dit vrai pour les gens suivre. Suivez-moi, c'est différent, je suis la lumière. Suivez-moi, c'est la différence, je suis. Maintenant, moi, je vais plus loin te dire, parce que entre l'islam et le christianisme, où est le schéma à suivre? J'allais d'abord commencer à leur naissance. La naissance de Jésus, comment c'était? Et que tu nous parles à nous, chrétiens, 148 000 chrétiens qui vous suivent. Comment était la naissance du prophète Mahomet? Comment était la naissance du prophète Mahomet? Papa, s'il vous plaît, si vous me permettez, papa, si vous me permettez, je veux dire que je veux que, déjà, comme vous dites qu'on est dans l'introduction, je veux que, déjà, vous êtes en train de partir. Vous dites qu'on est dans l'introduction, n'est-ce pas? Donc, vous êtes en train de développer. Jusqu'à là, je ne vous suis pas. Parce que vous touchez beaucoup de points. Touchez un point sur lequel on va rester. Et puis, on va débattre. On va échanger. On est déjà dans la lettre. D'accord, d'accord. Donc, si vous dites que, pour vous, Jésus qui est un homme, c'est lui qui est Dieu à la fois, n'est-ce pas? C'est en même temps lui qui est la lumière, n'est-ce pas? Bon, nous disons, nous on ne va pas débattre sur la lumière parce que nous, on est contexte. Désolé. Je voulais vous envoyer dans le pour que je vous comprenne parce que je ne vous suivais plus. Non, désolé, vous pouvez continuer. On est dans les thèmes. On est dans les thèmes. Dans les thèmes où nous sommes maintenant. Voilà pourquoi j'ai dit que non, c'est la première fois qu'il reçoit une personne, parce que vous êtes habitué, prenez la Bible, prenez les versets, faites ça, c'est ça que vous êtes habitué. Moi, je vous ai dit, moi, je ne commence pas comme ça. Moi, je commence en bas pour monter en haut. Même les musulmans qui me suivent, mes frères musulmans, commentez ce que vous voulez, injuriez-moi, je ne connais rien, mais je sais ce que j'ai dit. Je voulais commencer au commencement, mais comme vous avez dit, vous ne me comprenez pas, je suis dans les thèmes. Voilà pourquoi j'ai évoqué, psaume 27, l'Éternel est ma lumière. C'est David qui dit dans l'Ancien Testament, l'Éternel est mon sauveur. J'ai pris Jean. Jean, c'est l'apôtre qui mettait la tête sur la poitrine de Jésus. Il dit, ce qui était au commencement. Or, la Bible dit, au commencement était la parole.
La parole est avec Dieu et la parole était Dieu. Jean dit, nous avons touché, nous avons mangé. Oh. Et Jésus, il dit, voilà ce que nous avons entendu de lui. Vous savez, Ismaël, quand vous dites que les chrétiens sont dans les faux, un jour vous étiez debout quelque part là, si c'est dans la rue là, tu as invoqué un verset disant, aucun chrétien peut dire que dans ces versets-là, les chrétiens sont dans les faux. Ismaël, il faut faire beaucoup attention dans ta bouche. C'est-à-dire que tu dis, même les apôtres Pierre, ils sont dans les faux. Donc pour toi, Jésus-Christ, les apôtres, tous ceux qui ont marché avec Jésus sont dans les faux. Il faut faire beaucoup attention. Parce que quand tu parles, Ismaël, il faut comprendre que nous sommes chrétiens. Défends ta doctrine. Jean dit au commencement, Jean 1:1, était Dieu, c'est la parole. Cette parole, c'est Jésus. Ça dit Jésus-Christ, c'est qui? Dieu. Jean dit, la lumière, en lui, il n'y a pas de ténèbres. Jésus-Christ est devant Pilate. Il dit, je suis la lumière. Jésus-Christ ne dit pas que, suivez-moi, vous verrez la lumière. Non! Mais vous avez étudié, Ismaël. Je suis. Vous savez ton père. Tu connais ton père plus que moi. Quel que soit, vous l'avez laissé, il est pasteur. Vous êtes musulman. Je ne peux pas expliquer ton père plus que toi. C'est toi qui vas m'expliquer ton père. Quand Jésus dit « Je suis », les prophètes disent « Suivez-moi, Ismaël. » Qui est Jésus? Simple, un prophète, un Dieu, d'après les témoins de Jésus. Merci, papa. D'abord, vous devez savoir que vous devez savoir une chose. C'est que je suis concret dans ce que je dis, je suis précis dans ce que je dis. Je crois que ce que j'ai dit, vous avez compris. Sauf que peut-être que je dois encore faire des efforts encore pour vous, pour creuser encore pour que vous compreniez. Je ne dis pas que Jésus, quand Jésus dit qu'il est la lumière, je ne dis pas qu'il n'est pas la lumière. Mais qu'est-ce que vous devez comprendre par la lumière? Ne prenez pas la lumière. C'est pour ça que vous pêchez par analogie. Comme vous avez vu que là-bas, dans le psaume, David a parlé de la lumière, vous prenez aussi dans la Bible, dans Jean, ou bien je sais pas dans quoi, vous dites que ça fait partie de la, c'est la même lumière. Je dis non, c'est pas ça. Ne faites pas ça. D'abord, avant de juger les propos de Jésus, il faut filtrer tous les propos de Jésus dans un seul verset. Jean 14, 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi. La parole que vous entendez n'est pas de moi. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Oui. Donc, les propos de Jésus doivent être filtrés, doivent passer au scanner de ce verset-là. Mm. Je dis, chaque prophète qui vient est une lumière pour un peuple. Chaque prophète qui vient, parce que le peuple est dans le... Pourquoi Dieu envoie les prophètes? Il envoie les prophètes pour faire voir la lumière aux gens. Donc, les prophètes même sont les lumières manifestées. Pas une lumière visible, mais déjà, puisque celui-là même qui vient te parler, il vient te donner la guidance, il vient t'enlever les ténèbres, il devient une lumière pour toi. Vous dites que Mohamed a dit, viens, celui que, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Mais Jésus aussi l'a dit, regardez, un chef interrogea Jésus dans Luc 18, verset 18. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour mériter le royaume des cieux? Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Tu connais les commandements? Pratique-les. Jésus a commencé à citer les commandements. Le monsieur a dit quoi? Il dit, j'ai tout fait. J'ai déjà tout observé. Papa, qu'est-ce que Jésus a dit par la suite? Il dit, dans ce cas, viens. Vends tout ce que tu as aux pauvres, viens et suis-moi. Ah, mais c'est la même chose que Mohamed a dit. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Jésus a dit aussi, dit, viens, viens et suis-moi. Suis-moi, parce que quoi, je vais t'emmener quelque part. Je vais t'emmener à la vie éternelle. Je vais t'envoyer quelque part. Je suis venu te faire connaître quelque chose. C'est une affaire à suivre. Ce débat-là, nous sommes déjà à 1h35 minutes d'émission, alors qu'aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet 2021. Je vais profiter rapidement avant la fin de l'émission pour présenter le prochain invité de l'émission Cours biblique et coranique. Voilà, le prochain invité de Cours biblique et coranique, le voici. Restez connectés. Dans les jours à venir, c'est ce monsieur qui va passer, ex-pasteur
devenir musulman après une vingtaine d'années dans le pastorat. Il va nous expliquer pourquoi il est quitté dans l'église pour venir à la mosquée. Et il est également le président d'organisation de l'arrivée de la DDR au Burkina Faso. La régie, je suis prêt, on y va. Le voici. Mais je veux que vous reteniez le Moussa parce que je suis converti en l'islam maintenant. Donc j'étais pasteur, enseignant et je me suis converti le 12 avril 2013 et je réside à Ouaga. Ok, donc nous venons de recevoir le frère qui s'appelle Moussa Moïse, mais il a dit qu'en tout cas son nom maintenant c'est Moussa et il s'est converti en 2013. Donc nous voulons qu'il nous détaille un peu quelle était la cause de sa conversion. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. La cause de ma conversion est très simple, parce que c'est l'étalage des études de la Bible. On revient en studio. Voilà, l'émission est terminée. Nous serons à Djekanou du 9 juillet au 11 juillet. Voilà, à partir de 8 heures, tout le monde à la base. Sans oublier que je dis déjà, nous serons au Figaro. Bamako, c'est pour bientôt. Ceux qui veulent inviter la DDA à Bamako, ils sont déjà prêts, ils sont en train de s'organiser. Les habitants de Bamako qui nous connaissent, entrez en contact avec moi. On va vous donner les numéros pour vous inscrire dans le groupe. La Guinée également, on a déjà préparé le terrain. Ils sont sur le train en train de se préparer. Sénégal également, c'est pour bientôt, Inch'Allah. Le 14 juillet, nous serons, n'est-ce pas, à l'université d'Abidjan, hein, 19h, 21h. Donc, le Burkina, c'est après la Tabaski, Inch'Allah. Le QG de la DDR, demain lundi, à partir de 14h, un petit poteau aura lieu au QG de la DDR à la Grande Mosquée d'Andokwa, de 14h à 16h. C'est Andokwa devant la Grande Mosquée. DDR, la vraie page YouTube. C'est la nouvelle page. Merci beaucoup, Massa. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci aux représentants de la DDR qui sont du côté de France. C'était l'émission Cours biblique et coranique. Merci beaucoup, Aziz Khan, depuis ta position. Inch'Allah, qu'Allah donne la bonne compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va suivre ce qui va venir. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. Dans la vie, se battre pour les choses n'en vaut pas la peine. Tes plus beaux vêtements peuvent être des torchons pour quelqu'un d'autre. La balance de ton compte en banque peut représenter le don d'une personne lors d'une soirée caritative. Ta petite amie, ton petit ami, ton fiancé, ta fiancée, ton mari, ta femme et l'ex de quelqu'un. Chaque prostituée que tu vois dans un hôtel ou dans la rue, durant la nuit, était vierge à un moment donné. Alors pourquoi ces querelles? La vie est trop courte pour se sentir meilleur que qui que ce soit. Steve Jobs a dit, devant la mort, nous sommes tous nus. Rien ne peut nous en préserver. Je déteste voir des gens qui se vantent de leur richesse, de leur beauté, de leur intelligence, de leur niveau d'études, de leur célébrité ou de leur possession matérielle. Il n'y a rien que nous pourrons obtenir dans la vie que personne d'autre n'a jamais eu. Le bureau que tu occupes aujourd'hui, quelqu'un l'occupait hier et quelqu'un l'occupera demain. Je ne sais pas qui cette personne pourrait être. Il n'y a qu'une seule chose qui vaille la peine dont on peut se vanter les privilèges. La vie. La vie telle que donnée par celui qui a tout créé. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, dit-on. Alors comporte-toi bien à l'égard de tes semblables et lie-toi d'amitié avec eux. Rappelle-toi toujours que les gens que tu as rejetés lors de ton ascension seront les mêmes que tu rencontreras lors de ta chute. Alors ne cause pas aux autres des problèmes et ne rends la vie insupportable à personne à cause de ta position. Parce que si tu le fais, ils deviendront toujours ton principal problème un jour. Pour finir, même les tiges de bananiers sécheront et faneront. S'il te plaît, transmets ceci à tes amis parce que, d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous coupables. Si un jour tu as envie de pleurer, appelle-moi. Je ne te promets pas que je te ferai rire, mais je pourrai pleurer avec toi. Si un jour tu veux t'évader, ne sois pas effrayé de m'appeler.
je te promets d'être toujours à tes côtés. Mais si un jour tu m'appelles et que je ne réponds pas, passe me voir, il se pourrait que j'ai besoin de toi. Une chose est sûre, un jour, l'un de nous deux ne sera plus de ce monde. Et à ce moment, il sera trop tard pour chérir l'autre. Les larmes couleront, mais je serai déjà loin, voire trop loin. Alors transmets ceci à chaque personne que tu chéris. Je viens de le faire. Envoie ceci à tes meilleurs amis, peu importe la fréquence à laquelle vous leur parlez. Que les vieux amis sachent que tu ne les as pas oubliés. Et les nouveaux, que tu ne les oublieras jamais. C'était votre ami Reginald. Que Dieu vous bénisse.